Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Alors, 2019, c'est une année de l'action. Oui, action, action, action. Fini le parler, fini le blablabla, fini le... Là, c'est l'année où on agit, l'année de l'action. Nous devons agir, c'est important, tu dois agir. C'est pour ça que là, je vais te donner 5 conseils comment tu peux créer ton entreprise. 5 conseils, 5 étapes pour créer ta propre entreprise. Pourquoi créer sa propre entreprise? Parce que vous connaissez la formule 40 x 40 x 40. Tu travailles 40 heures par semaine pendant 40 ans et à la fin de ta vie, on te donne 40% de ton salaire. Waouh! Tu travailles 40 heures par semaine pendant 40 ans, à la fin, on te donne 40% de ton salaire. C'est pour ça que je recommande à chaque personne, si tu ne veux pas terminer de même, c'est très important pour toi de créer quelque chose. Crée quelque chose qui va te rester, quelque chose au moins que tu vas savoir que ça va te permettre de vivre plus tard, ou ça va créer un extra, ça va te permettre d'arranger tes fins de mois, tes enfants d'aller dans de meilleures écoles, etc. Bref, il faudrait que tu puisses créer quelque chose. Je recommande. Mes entrepreneurs ont commencé de 10 à 70 ans, c'est-à-dire que tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Alors, je te donne 5 étapes pour créer toi-même ta propre entreprise. Et tu n'as pas besoin de financement pour créer ton entreprise. Tu n'as pas besoin de tout ça, business plan, machin. Non, oublie tout ça. Je vais te donner 5 étapes simples. La première étape pour créer ta propre entreprise, c'est que tu dois passer à l'action. Ah oui, j'aime bien dire ça. Action, action, action. Action, 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 action plus action égale résultat. Tu dois passer à l'action. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Crée ton propre emploi. Plusieurs personnes, tu es en train de me regarder présentement, tu es en train de chercher un emploi depuis. Tu cherches des emplois, mais on fait que tu refuses. Alors, crée ton propre emploi, crée ton emploi. Pourquoi? Tu attends quoi? Alors, arrête de réfléchir, réflexion sur réflexion. Tu n'as pas besoin de ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Alors, même si tu as un emploi, la journée travaille sur ton salaire pour payer tes factures, mais le soir travaille sur ta fortune. Mais dans tous les cas, lance-toi, crée ton entreprise, c'est tout. Tu n'as pas besoin de financement, tu n'as pas besoin de l'approbation de ton entourage, tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque, tu n'as pas besoin de l'approbation de... Non, tu n'as pas besoin de tout ça, juste lance-toi. Prends la décision de te lancer, c'est tout. Oui. Alors, ce qui est important à faire, c'est arrête donc de peaufiner ton projet parce que beaucoup trop de personnes restent au stade de la réflexion. Parce que, en fait, plus tu réfléchis, plus tu es paralysé. Trop de réflexion mène à la paralysie. Je répète, trop de réflexion mène à la paralysie, ça te paralyse. Alors, c'est important pour toi maintenant, lance-toi. Mon plus jeune entrepreneur, il a 10 ans, il vend des glaces et il paye le loyer de ses parents. Ma plus vieille, la personne la plus âgée que j'ai, elle a 70 ans. Aujourd'hui, elle voyage partout dans le monde. Ça veut dire que tu n'as pas d'excuses. Si tu crées ton propre emploi, arrête de réfléchir. Ton objectif, vraiment, c'est de le faire. Alors, lance-toi, crée-le. Commence à parler autour de toi. Ce qu'on appelle le love money. Commence à parler autour de toi. Commence à vendre tes services autour de toi. Commence à le faire. Mais dans tous les cas, il faut que tu te lances. Alors, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu fais, lance-toi. Si tu ne peux pas prendre l'avion, prends le bateau. Si tu ne peux pas prendre le bateau, tu as le mal de mer, prends la voiture. Si tu ne peux pas prendre la voiture, hein, prends le vélo. Si tu n'es pas capable de prendre un vélo, eh bien, marche. Si tu n'as pas de pied, rampe. Dans tous les cas, il faut que tu avances. Dans tous les cas, il faut que tu la crées, cette entreprise. C'est très important pour toi. C'est important pour ton futur, pour tes futurs enfants. C'est important pour toi. Ça n'a rien à voir avec l'aspect financier, mais ça a tout à voir avec la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Alors, si tu veux en savoir plus justement sur des ateliers gratuits que nous avons, je te conseille d'aller voir Vivre de mon talent. Donc, tu vas vivredemontalent.com. Tu vas avoir toutes les informations sur les ateliers qui te permettant de pouvoir créer une entreprise facilement. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. It's your boy Angel, ton motivateur personnel.